bonne bagarre. Bonjour tout le monde, bonjour Montuse. Salut à tous. Comment ça tu me dis bonne chance pendant que le générique tourne? Mais la chance n'est pas un facteur pour moi, messieurs. Alors que tu dis travail. Marcus Tuse est vraiment des pseudo-ricules. C'est sa faute, c'est lui qui m'a trouvé mon pseudo. Oui, bon. Et le tien aussi d'ailleurs. Oui, alors, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est mal malin. Mais bon. Bon, je vais battre sur le ring. Oui, on va régler ça tout de suite. Le jeu s'appelle Project Justice et c'est la suite de Rival School, qui est un jeu génial. Enfin, vraiment, ah oui, j'adore tout Rival tout School. C'est une, toute une école, ils se battent entre eux. Il y a le proviseur, il y a l'infirmière, il y a le fort en foot, le loser. Le loser, le winner. On va voir. Non, on espère. Parce qu'on a des vieux comptes à régler avec Twitch depuis le temps qu'on fait des matchs et qu'on se dit. Tu n'as jamais gagné. Mais c'est ce qu'on se disait alors. Mais oui. Donc en fait, Marvel vs Capcom, j'étais lamentablement. Oui, laminé, étalé, je crois. Hein, je crois que c'est clair, on peut dire ça comme ça. Ouais. Hein, je crois que tout le monde sera d'accord. Soul Calibur, j'avais pas gagné Soul Calibur. Attends. Soul Calibur, t'avais gagné, mais c'était une journée. Attends, t'avais fait que ça, t'avais battu tout Game One. Enfin, c'était quand même battu. Bon, admettons, faisons du révisionnisme. Admettons que je n'ai jamais gagné. Ah là là. Admettons. Ouais, si tu prends les choses comme ça, tu vas te prendre un coup de balle dans la tête dans pas longtemps, car j'ai vu qu'il y avait un baseballer dans le jeu. Ouais, on va le prendre. Donc l'idée, c'était de se retrouver avec Tuse, match amical, on va le dire quand même. On peut le dire comme ça. Voilà. Et puis histoire de voir qui c'est le plus fort. C'est rarement moi. J'espère que c'est celui qui a le plus de moustaches. Je sais pas. Oui, c'est à moi donc. De moustache. Bon, alors je ressens, on va être dans les menus. Le principal. Qu'est-ce que c'est que ce menu? Voilà. On va se mettre en versus. On aurait pu jouer tout seul en mode arcade, mais c'est plus rigolo avec des copains. Je suis vert, tu es. Oui, voilà. Allez, alors regardez bien, dans le premier Rival School, on pouvait choisir deux personnages. Là, on peut en choisir trois. Pour le même prix, mesdames et messieurs. 595 francs, appelez maintenant. Alors j'ai pris le petit baseballer et on va prendre Zoala. Voilà. Voilà. Je sais pas trop qui on a pris un peu. Donc le hasard. But du jeu, c'est qu'en fait on peut changer de perso en cours de match. Non, pas en cours de match. On peut faire intervenir ses petits copains, mais tu peux pas changer. Tu peux changer à chaque round, pardon, pas en cours de match. C'est pas comme ah Tekken. Oui, t'as raison. Ou Dead or Alive où tu peux changer des gens. T'as un point, c'est bien, t'en auras plus. Écoute. Donc regardez, voilà nos deux équipes de brutes. On va se friter. Mais moi je crois que je suis de ce. Je sais pas. Non, je suis du bon côté. Moi, je suis du côté gauche de l'écran. Attends, on va vérifier tout de suite, histoire que les matchs soient un petit peu plus clairs. Donc, s'il te plaît, parce que ça va vite être n'importe voilà, quoi. Voilà, ça c'est mon équipe. J'ai pris le baseballer et l'espèce de Bart Simpson avec les cheveux. Ça c'est bien. Voilà, t'as une volleyeuse, un mec avec une batte. Il est prof de gym, lui. Il peut forcer les autres à faire des pompes. Donc je suis à gauche avec la coupe de cheveux ridicule. Et moi je suis la fille, tu ne tapes pas les demoiselles, tu seras gentil. C'est ce qu'on va voir. Bon. Donc l'idée c'est qu'on peut faire intervenir nos camarades. Vous voyez les barres en bas, team ready. Ça veut dire qu'on peut faire intervenir nos camarades pour se battre avec nous. Mais on peut évidemment se battre comme un jeu de baston classique. Comme ça, par exemple. First attack, elle est pour Tuse. C'est parti. Le match au sommet, c'est parti. Donc c'est un genre de Street Fighter. Moi je vais quand même pas te mettre que des bras. Oh là là. Tiens, regarde. C'est un petit couteau. D'accord. Mais t'es armé. Ah bah oui. Attention. Il garde la main dans les poches, mais en fait, il y a un petit couteau dans la poche. Attends, tu me rappelles, c'est quoi la manette qui fait que t'esquives? C'est celle-là? Alors, l'esquive, c'est là. Voilà, c'est la petite languette sur le côté. Et ça permet d'échapper à l'adversaire. Bon, je te laisse gagner le premier, d'accord? Mais c'est pas parce que c'est toi, d'accord? C'est fait exprès. Comment je t'ai chopé, là? Alors, il y a des trucs au corps à corps. Ouais, monsieur, tente une attaque. Tu l'as esquivé. Oui, j'ai été attrapé juste à temps. Car avant que tu la lances, j'avais décidé de t'attraper. Alors on va tenter des attaques combinées un petit peu, regardez bien. Je fais venir mes potes. J'esquive. Et tu l'esquives. Non, t'as pas esquivé. C'est un peu trop tard, je sais pas pourquoi. Oh la vache. Tu as mal? Bah les jambes écartées comme ça, ça fait super mal quand même. Vous avez vu que vous étiez deux, hein. On était trois même, carrément. Donc là vous avez vu, mes trois personnages s'y sont mis. Ah non, deux, j'ai pas vu combien ils étaient. Non, ils étaient que deux. Ouais, il y en avait que deux. Ça, donc ça tirait bien comme coup de cheveux, ça. Tu rigoles quoi? Alors je suis le black avec la veste rouge. Autant dire que tu n'as aucune chance car moi j'ai un impervers. C'est vrai que ça te laisse pas de chance. Attends. Attention. Attention, hein, monsieur, je suis très fâché maintenant. Alors pour la première fois, Marcus est en train de mener. Vous dites donc, oui, c'est pas tous les jours, profite. Mais en même temps, ceci est une raison. La raison est simple, c'est que tu as bien testé le jeu quand même. C'est vrai, ouais. Je suis quand même entraîné, j'ai passé le week-end. C'est vrai que t'as passé ton week-end, en plus c'est un week-end de 3 jours. Oui, voilà, bien le week-end de Pâques. Oh là là. Alors attention, là c'est Tuse qui chauffe son personnage. Oui, faites-moi. Et après, regarde, décharge d'énergie. Voilà. Pas mal, hein. Ah, il dit merci après à son pote. Oui, c'est génial ça. Alors moi je peux faire intervenir mes trois personnages, ma jauge est au maximum, donc je vais essayer de le faire. Regarde bien les trois en même temps. Non, je t'esquive. Oh, bien esquivé. C'est du gâchis pour moi, c'est pas grave. Ouais, je sais, mais... Oula. Attention. Voilà. Bon, attends, j'ai quand même... Ah, moi ma jauge elle est à 0, ça veut dire que j'ai plus le droit de faire venir plus personne, c'est ça? Non, c'est toi, t'as deux... Ah oui, ma jauge est à 2. Moi ma jauge est à 1 maintenant, donc je peux faire venir quelqu'un une fois.
Oh bah, ils ont fermé quelqu'un une fois. Oh, oh là 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 là. Alors attention, ah. Je contre l'attaque de Tuse. Oh joli, c'est raté. Comment je t'ai eu? Faut qu'on vous donc explique. Là, pour, voilà, explique un peu. Alors expliquons. Quand il y a une attaque combinée qui est déclenchée, ce qu'il est en train de me faire, je peux tenter de la parer en déclenchant à mon tour une attaque combinée. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un duel de deux personnages. Et on a 10 secondes. C'est le premier qui frappe. Le premier qui frappe, soit ton attaque globale porte, soit je réussis à faire échouer ton attaque. En l'occurrence, tu as perdu. Là, j'ai perdu, donc j'ai morflé. Voilà. Voilà, petite. C'est sympa de ne pas taper quand on est skill tuse. J'ai connu d'autres invités qui étaient beaucoup plus lâches. Mais attends, mais là, profitais là, quand même lâchement. J'aurais dû en profiter quand même parce que là, t'es quand même en train de. Ah, ah non, non, un round chacun. Ah oui, c'est vrai, t'as gagné le premier, j'avais déjà oublié. Eh oui, un round chacun, mais ça fait pas une victoire totale. Non, non, car Alia, vu qu'il y a trois personnages, les trois peuvent jouer. D'ailleurs, j'en profite pour changer, tu me caches. Alors, qui t'a pris? Ayato. Ayato. Ah ben, c'est le prof de gym, tu l'avais déjà pris, je crois. Non, c'est pas grave. Et moi, j'ai le petit baseballeur qui est assez non, efficace. Non, j'avais pris une nana au début. Ah oui, c'est vrai. Oh la meuf, t'as vu la taille des jambes? T'as vu la taille des jambes du mien? On a tous les deux. Alors, regarde, boum! Petit quart de cercle, un peu comme dans Street Fighter, et ça fait un lancer de base de baseball, enfin, quand l'autre est pas juste là. Oh oui, ah non, c'est ah la non. même technique. Ah, il a contré le Tuse. Oh là là. Ah, oh joli, il a contré avec succès, on l'a vu. Oh. Mais tu me fais super mal là. Il pousse des cris. Les bruitages sont géniaux, je trouve excellent les bruitages. Barrons-nous. Non, t'auras pas le temps. Moi je peux pas contrer parce que je n'ai pas de barre toute prête. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Elle te fait des bisous et te redonne des points de vie, regarde. Et t'as remis au maximum tes barres d'attaque. Autant dire que tu n'as plus aucune chance. Autant dire que ça va pas être facile parce que tu peux redéclencher une attaque combinée là. Oh, t'aurais pas dû me le dire, je suis trop sympa. What you? Mais si j'y arrive, je te laisserai pas le temps de le faire. Et surtout, je vais me cacher. Oh là là, attaque à 3, attention. Oh, ça c'est redoutable. Ils sont tous contre moi. Ils m'ont attrapé. J'ai mal. Pour un mec qui s'entraînait tout le week-end, c'est pas mal, hein? Bah oui, mais. Je t'explique les trucs alors, évidemment. Oh, c'est ton excuse de. Non. Allez, tiens, j'essaye une attaque combinée. Oh, aïe, aïe, oh, tu vas gagner. Oh là là! C'est super puissant les attaques combinées. Donc j'ai gagné? Ouais, pas mal. Là, il y a un petit ralenti, je pourrais t'en mettre un petit coup encore si tu veux. Bah, dis donc. Ah, ça suffit. La dernière fois, nous sommes allés trop loin. Sur Star Wars, tu as débordé. Tu as dépassé les bornes. D'abord, voilà. Tu as trouvé alors qui était le. Comment est-ce que Dark Vador sait que Luke est son frère? Ah, il s'appelle pareil. Oui, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs à savoir. On a revu le level 1 qu'on avait tourné où il était quand même dans l'erreur en permanence. Je n'irai pas plus loin. C'est terrible. Alors, prenons d'autres personnages. Comme c'est une école, il y a l'infirmière, il n'y a pas le proviseur. On retrouve pour les spécialistes, on retrouve la moitié des personnages du premier épisode. Et vous voyez, il y a plein de cases vides. On peut les ouvrir après, donc on retrouvera les anciens. Mais pas en arcade. En mode arcade. En mode arcade, je veux dire. Ouais, pas l'un contre l'autre. Mais... Donc par exemple, il y a le syndicat du président des étudiants. On a pris une pareille. Ah, on a la même, celle dans le fond, je sais pas comment elle s'appelle. Roberto, t'as pris le footballeur, c'est mon préféré. Ah non, pas le foot, mais il dégage comme un goal. Je vais jouer comme Alex Nassar et tout. Ah, alors regarde, moi j'ai le maître nageur, c'est quand même mon préféré. Oh, il est bien ridicule. Et la tennis woman, ils ont des coups spéciaux, j'ai dit. La tennis woman, elle est vachement bien. C'est super. Elle a un coup super drôle. Ben, je vais essayer de le faire, le coup super drôle. Donc je suis à gauche avec la petite tennis woman. Ah. Et Tuse a pris le footeux. Et j'ai fait la first attaque encore. Encore. Est-ce que ça va te réussir? C'est au périlleux qu'elle a dit. Hop, regarde comment je suis passé derrière. Bien joué. Oh, attention, et smash. Non. Ah oui, ça suffit. Non, elle est bien, la petite, j'aime bien. Ah mais qu'est-ce que j'arrive à faire mon attaque combinée? Ah non, ce serait bien. Ah c'est raté, t'as esquivé comme une bête. Et après je t'attrape. Attention. T'as vu les décors en 3D derrière? Attends. C'est superbe. Non mais le jeu est vraiment sympa. Pour un jeu de baston, c'est vachement drôle quoi. Bah ce qui est bien, c'est que toutes les attaques, sont ridicules. Enfin tu vois, ils se battent avec des ballons de foot, avec des raquettes, avec leurs couettes. Attends, j'aimerais bien que tu prennes ton. Ah, je vais tenter. Alors regarde, là, c'est sur un truc d'équipe, je sais pas ce qu'elles vont faire. Ah si, elle a des pouvoirs psychiques, donc elle t'hypnotise. Et regarde bien l'autre. Ah non, elle fait tout seule. Non, elle la frappe avec. C'est trop beau. Bon, n'empêche que c'est un chaos vite fait. Hein. Bah oui, mais ouais, ça j'ai marche changé bien. De perso, là. Allez, je vais prendre le nageur, parce que je le trouve génial. Moi, je vais prendre Kyosuke. Kyosuke, mais je t'en prie. Ah, j'ai pas fait le coup avec elle. Il y a un coup génial. Non, en fait, si t'appelles les autres, ça va le faire, je pense. Ah bon, alors je vais essayer. Alors regardez bien les mouvements de mon nageur, c'est assez fabuleux. Je fais de la natation synchronisée, le petit bonhomme. Donc voilà, il plonge. C'est dommage qu'il y ait personne. Ah, oh là là, ouais, j'ai échappé. Oh. C'est vraiment un sale poisson. Watch out. Oh, joli, Tuse. Un beau petit truc au corps à corps. Attends, et ça, et puis derrière.
Ah oui, parce qu'on a des prises au corps à corps en plus. Je sais pas si ouais, on les a pas trop utilisées. Je vais essayer un peu. Je sais que le mien est capable de faire de la respiration artificielle. S'il arrive à t'attraper. Ah, tu sais, il fait du bouche à bouche, puis un gros massage cardiaque. Non, c'est pas la peine. Je m'en passerai. On s'en passera. Un gars en jupette, un bonnet de bain, s'il vous plaît, non. Alors, vite, esquive. Ah, t'esquives aussi en même temps. Ah oui. Alors, attention, je vais essayer un truc. Non. Ah oui, c'est mon truc préféré. Regarde. S-match, et l'autre, il se sert de toi comme une raquette. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai pris quand même pas c'était mal de vie. C'est mon truc préféré, ça. D'accord. Alors, allons-y. Boum. Ah non, pourquoi je l'ai fait déclencher? Ah ouais. Parce qu'il faut à tout prix qu'il soit dans mon cercle en fait, sinon ça marche pas. Mais c'est pas grave, je serai obligé de le niquer comme ça. Sans, à la main. Allez, sans regarder. Sans allez, je vous regardez, vous me dites hein, comment ça se passe. Tu me dis, Marcus, ça se passe comment pour t'as moi? T'as pas le droit de m'humilier, t'as le droit de regarder. Bon, tu vois, comme ça, là, t'attends. Ah bon, allez, on y va tous. J'ai vu que ça te fait. Regarde, le fameux coup de la raquette. Ah, il a contré. Et je l'ai empêché de contrer ce coup-ci. Donc ah non, mon attaque, du coup, tu vas encore faire un KO. Oh, ça fait mal. J'adore ce jeu. J'adore. Ben, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est drôle et en même temps c'est assez technique finalement. Il y a les cartes de CA, il y a tous les trucs bien bons. Oh, t'es pas mal comme ça, regarde. Ça colle super bien. C'est moi sous le t-shirt. Hein. Mais oui, ils ont modélisé Thews, ils ont fait une capture de mouvement de Thews. Tu crois? Contrairement à tout ce que les gens racontent. Alors... C'est pas du tout comme ça. Tiens, Maël, on l'a pas utilisé du coup. Je vais prendre un gros là, on n'a pas trop pris les gros pour le moment. On fait 2 victoires à 0 voilà. Pour moi. Pas trop saisir. Hein. Bon, dis donc. Non, je me suis entraîné. Non, dis donc, c'est salaud ce que je suis en train de faire là. Ouais, c'est pas très fair play hein, quand même. Je trouve que là. Mais des fois, même en entraînant, je suis super mauvais. Bon, je te prends quand tu veux au solitaire. Ah, je suis pas sûr. Tu t'entraînes. Au démineur. Au démineur, pas au solitaire. Au démineur. Moi, j'ai appris une technique il y a pas si longtemps que ça. Tu sais que quand tu cliques avec les deux trucs de la souris sur une case, ça déloque toutes les cases qui sont autour. Ah non. C'est super bien. Enfin, je te montre. Juste mode. Un gamin, on joue au solitaire et au démineur. Faut bien se distraire, on a tellement peu de jeux vidéo à se mettre sous la main. Oh, t'as fait une petite violoniste, toi. Ah, elle est mignonne. Alors, la truc, c'est le menu à qui tue. Regarde. Hop. On met tes notes de musique, ne me font pas. Attention, celui-là va faire quoi va... Ah, c'est dommage qu'il soit si loin. Alors, encore une fois, approche-toi, tu verras mieux. Non, et puis qu'encore. Donc, toi, ton petit gars, c'est genre Akira, il doit avoir une boule un de feu, ou je sais pas. Ah oui, il y a un espèce de Haouchen. Tu veux qu'on se recule un peu pour essayer des choses? Non, on y va comme ça. Tu rigoles ou quoi? Bon, faut que j'arrête de sauter tout le temps en l'air, non? Oh non, comment t'esquives tous mes super trucs là? Pour la peine, voilà oh pourquoi. Oh joli! Alors regarde, fais des bisous, donc ça te revient des points de vie. Ma copine. Elle a un petit cœur, c'est pas beau ça? Et elle fait au revoir en partant. Moi je trouve ça génial. Vraiment des super coups dans ce jeu. Attention, voilà. Tout le monde vient! Oh joli! Ah, et là je peux pas contrer, y'a rien à faire. Ça va être monstrueux. Oh non, je suis mort. Ah non, il me reste un tout petit point de vie. T'inquiète pas, je vais te mettre une claque et ça ira. Oh la vache. Bon, allez, viens ici. Ah, j'ai tout le monde, moi aussi. Si je pouvais faire venir tout le monde, ce serait génial. Tu n'auras pas le temps. Voilà, j'attends que t'arrives. Non, oui. Ah non, ça. Bravo! Bravo! Bravo Akira! Bravo Akira! Non, Yurika, c'est moi, toi t'es Batsu. Ah, parce qu'ils avaient pas les droits à mon avis. T'es bas, voilà. Ça doit être pour ça. Non, le look. Ah non, Batsu. Moi je suis Batsu. Là. Moi je suis là, Yurika. Ouais, mais il ressemblait à Akira le mien. C'est là. Ah, attention, j'ai un gros avec des chaussures en Lego. Moi j'aime bien ces chaussures japonaises. Oh là là. Mon dieu, tu es énorme. Ah, c'est terrible. Mais il est lent par contre, ça, c'est son problème. Oh, bien esquivé pour un soi-disant. Alors attends, ils font des sauts monstrueux, je sais pas si t'as remarqué depuis tout à l'heure, regarde. Donc, ils se rétablissent en l'air, ce qui est plutôt pas mal. Tu crois qu'un gros comme toi, je peux l'attraper quand même? Ah oui, pas de problème. Tu veux que je te laisse faire une prise au corps? Allez, juste pour le principe, je bouge pas, vas-y. D'accord. Je tape pas trop quand même, hein. Vas-y. Ouh. Allez, je peux me permettre de faire la même chose? Ouais, vas-y. Oh. Ils ont quand même des gros coups monstrueux. Et il est vraiment sympa ce jeu. Ah, vraiment, il est drôle, il est bien foutu. Enfin. Ah là là. J'ai voulu te rattraper, mais c'est un peu. Oh là là, oh là là. Oh là là, ouais. Chantal Goya, attention. Ouais. Oh, bravo. J'ai paré son attaque alors qu'il ne reste pas grand chose. Ah non, attention, venez tout le monde. Oh, ça va être bien ça. Ah non, t'as paré, oui, t'as paré. T'as fait une prise au corps. Tiens, celle-là, tu l'aimes pas. Non, j'aime pas du tout. Oh, puis derrière, attends, je vais t'en mettre. Ah, pas mal, pas mal. Tu fais bouger la... Tu prends toutes les couvertures, oh, tu regardes. Va-t'en, un peu. D'abord, va-t'en. Oh, non, les mauvais joueurs.
elle, on l'a pas prise tout à l'heure. Donc ça fait un round partout. Ouais. Mais ce serait bien que je le gagne, comme ça ferait 2-1 et tout. Ce serait pas mal. Et il y aurait peu de suspense et tout. Mais je ne sais pas pour autant que je te laisse gagner. Si j'arrive à gagner. On l'a pas fait, il y a des trucs qui s'appellent Burning Vigor Attack. On l'a pas trop fait encore jusqu'à présent. C'est des doubles quarts de cercle, etc. C'est pas facile à faire, mais c'est assez efficace. Par contre, ça te bouffe de la jauge en général. Venez les gars, enfin les filles. Oh, ça a servi à rien. Hop, 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 hop. Oh la vache. On va pas faire le malin quand même. Parce que regarde. Oh la vache. Ah mais je pars, regarde, attention. Oui. Oh là 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 là. D'accord. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est Zaki, j'ai Zaki moi. Oh, il était bien celui-là. Pas mal, ouais. Alors des fois, tu t'emmerdes à faire des trucs déments et ça marche pas. Là, j'ai tant des quarts de cercle et il fait pas grand-chose. Il le fait, mais plus tard, quoi. Un peu... Oh, joli. C'est serré en plus, là. C'est notre dernier round. Oh non, non. Ouais. Oh là là. Attends, qui, quoi? Parce qu'elle va te redonner des points de vie, mais j'ai tapé juste avant. Non, non, tu n'as pas tapé juste avant, regarde bien. Ah, j'ai mouru. Ah, elle a gagné. Ouais. C'est bien. 2-1. C'est beau, c'est beau. 2-1, c'est 2-1 quand même. Hein. C'est pas mal du tout. 2-1, bon. Et il nous reste... Oh, ça fait 16 minutes qu'on joue. Oh là, ça tu crois vite. Que tu vas t'en sortir? Bah, je vais essayer. On va essayer de prendre des mecs sympas. J'aime bien Roberto. Alors, attends, moi, Roberto. Je vais en prendre d'autres que j'ai pas pris une seule fois. Qui est-ce qu'on n'a pas pris? L'infirmière, on l'a pas pris. Et il y a une petite journaliste que j'aime bien qui aveugle les gens avec son appareil photo. Une petite que j'aime bien, journaliste. Je sais pas, mais c'est avec personnage. Ah, mais j'ai oublié de changer de personnage moi, dans la partie d'avant. J'ai tout fait avec Akira, non enfin, ah, machin, peut-être, non peut-être alors. Dommage, j'aurais bien aimé vous montrer d'autres personnes, mais bon. Attends, j'ai gagné. T'as gagné, oui, oui. Ah. Mais alors là, pour moi, il y a 2-1. Et c'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini. On va juste le temps quand même que je te mette deux rounds rapidos en perfect. Deux rounds. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Si jamais tu rattrapes, c'est horrible. Ah, bah, si on n'a plus le temps. Il est 17, on devrait dire au revoir, tu. C'est vrai? Eh, ouais, ouais, ça passe. Déjà, c'est incroyable. Donc, tu as perdu. C'est horrible. Oh, on va finir en antenne alors. Donc, ah oui, bah voilà. On va finir en antenne. Attends, je ne me laisserai pas faire comme ça. Attention. C'est parti. Bah, allez, juste un round et on n'en parle plus. Non, non, il fait signe. Il faut vraiment qu'on dise au revoir. Bon, Montus, merci d'être venu. Non, non. Oh, et vas-y, que je te contre. Oh, c'est infirmière contre infirmière en plus. Non. Allez. Allez. Success. Oh la vache. Bon, au revoir tout le monde. C'était Lolan sur la suite de Riva School. Excellent, vraiment. On est d'accord. Et c'est ouais, un super jeu. Marcus a gagné, mais ça, donc ça nous amène à égalité du coup. Bon, alors on en fait, fera encore un. Ouais. Ah, là, on fera ça sur Riva School 3 jamais. Ou je sais pas trop quoi. Ou... Par exemple. Donc en tout cas, le 2, bonne adresse. Allez, ciao. Ouais. On ciao vous laisse. Tout le monde. Gros bisous. Ciao. Et bon, confie à toi. Confie à toi.